Salut tout le monde, je ne serai pas très long parce que je sais, j'imagine que certaines personnes s'attendent à ce que je sois long sur ce sujet-là, mais je serai très bref. Parce que ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo-là, sans vous mentir, hein, c'est pas que je dirai deux petits mots à Tiesco le Sultan, qui ne connaît pas sa place, franchement, qui connaît vraiment, vraiment pas sa place, mais j'ai envie de vous faire découvrir le meilleur spot de DJ Mix. Donc je vous invite à regarder intégralement la vidéo parce que la deuxième partie va concerner le meilleur spot de DJ Mix que votre héritage est en train de chanter. Voilà, parce que j'ai envie de chanter pour vous aujourd'hui. Donc, après Tiesco le Sultan, veuillez bien écouter ce son que je juge pour ma part le meilleur spot de DJ Mix qu'on appelle aujourd'hui Mix Premier. Voilà. Donc, on va se rendre juste après le générique, ok? Juste après le générique, on se prend, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Héritor. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Voilà, comme je disais, si vous me voyez faire une vidéo un peu à la va-t-asseoir, sans pression, je ne suis pas dans mon box studio, c'est-à-dire dans mon lieu habituel où je fais la vidéo, c'est parce que c'est trop considéré certaines personnes. Parce que moi, comme je vous dis tout le temps, vous savez qu'Hériton n'a pas de problème avec quelqu'un, mais souvent, je trouve qu'il y a des personnes qui exagèrent, honnêtement. Parce que Tiësto le Sultan, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien sa musique, il chante très bien, il est talentueux, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est beaucoup bavard, il met sa bouche dans tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire à Tiësto le Sultan. Bon, Tiësto le Sultan, honnêtement, hein, je vais t'appeler grand frère. Bon, grand frère, quand tu t'es assis à Trace et tu as dit tous ces propos désobligeants vis-à-vis de Bordeaux Likoufa et d'autres mêmes artistes, c'est quoi ta satisfaction derrière? Quel a été ton gain? Honnêtement, parce que moi, pour ma part, hein, tu te ridiculises. Tu te ridiculises de ouf. Parce qu'un artiste de ta tranche, je pense que doit maintenant se taire et bosser. Voilà, parce que jusque-là, je ne suis pas sûr. Moi, pour ma part, hein, voilà, tu sais très bien ce que je t'ai dit là, c'est vrai. Tu as peut-être les moyens de ta politique, mais ta vie d'artiste ne te nourrit pas. Honnêtement, voilà, parce que je ne pense pas qu'on puisse t'inviter pour te donner 1 million pour un showcase ou bien 500 000 pour un showcase. Je ne pense pas. Si tu fais des prestations, je pense que c'est pour la promo de tes sons. Voilà, tu n'es pas arrivé au niveau où un promoteur ou bien un propriétaire de boîte de nuit est prêt à débourser 500 000, 1 million pour juste entendre deux ou trois sons de toi, Tiësto le Sultan. Donc, pour ma part, tu dois te concentrer sur ta carrière et arrêter cette manière de rabaisser certains artistes. Moi, je suis le mieux placé pour mieux juger parce que je suis le mec qui est critiqué à tort et à travers. Parce que quand c'est bon, j'encourage. Mais quand c'est pas bon, je vais dire que c'est pas bon. Le mec, depuis l'histoire, s'est excusé. Bon, tu as fait semblant, je dirais, d'hypocrisie en reconnaissant son bon geste et après, tu t'en le torpiller encore. Sur une chaîne de radio, c'est pas joli à voir, c'est même pas professionnel de ta part. Pendant ce temps, tu estimes être le nouveau boss de la musique ivoirienne, même pas du Coupé des Galères, hein, de la musique ivoirienne. Un boss ne parle pas trop. Attends, tu vois pas un peu Mola? Tu voyais pas Mola un peu? Jusque-là, il te regarde, mais à tout moment, il peut te prendre ton titre que tu t'es auto-proclamé boss du showbiz ivoirien. Mola, il était boss du Coupé des Galères. Mais sans même le dire, on savait que aussi c'était le boss de ce showbiz ivoirien là parce qu'il apportait beaucoup. Parce qu'il est promoteur de spectacle. Il est acteur de la musique ivoirienne. Il est chanteur, il est homme d'affaires. C'était un homme complet. Et qui bavardait moins. Malgré qu'il ne parlait pas, il a eu beaucoup, beaucoup de détracteurs. Il a eu beaucoup, beaucoup de jaloux autour de lui. Mais toi, tu viens, tu ne peux pas te taire et bosser comme tu dis, venir aider les artistes que tu as envie d'aider. Mais tu es là, tu parles de tout et de rien. Tu te fais remarquer négativement. Tu te fais que des ennemis. Au niveau des fans de DJ Arafat, beaucoup te vomissent. Au niveau des fans de Bordeaux, là même on n'en parle pas, personne ne veut te sentir. Faut apprendre à te faire respecter, c'est ce que je disais à ton frère Beto Lolas. Apprenez à vous faire respecter. Parce que vous êtes quand même des pères de famille, je crois qu'il y a trois belles petites filles ou deux petites belles filles là. Quand tu penses à elles, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Quand on vous parle, vous dites que gardez vos conseils pour vos parents, pour vos enfants, pour vos je ne sais qui. Non. C'est parce qu'on vous estime. Quand vous vous dites ivoirien, artiste ivoirien, je pense que vous devez amener l'extérieur même à vous respecter. Si l'extérieur vous respecte beaucoup, je pense que nous aussi on va vous respecter. Mais si nous on ne vous respecte pas, ce n'est pas l'extérieur qui va vous respecter. Voilà. Il faut penser à ta carrière. Il faut sortir des propos quand il faut, quand il le faut. Mais quand il n'y a pas lieu, il faut se taire et puis bosser. Parce que chaque jour tu te ridiculises. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, c'est les gens qui ne te connaissent pas. C'est les gens qui ne connaissent pas un peu ta stratégie. Mais les gens comme nous, déjà là, comme on dit, très ouverts d'esprit, qui voient loin là. Moi j'ai déjà tout compris. C'est à cause de ta musique que par moment, je suis obligé de reconnaître que tu as fait sortir un bon son, bien de dire que tu as fait sortir un dernier morceau qui cartonne. Parce que tu chantes bien, pour ma part. Même si souvent ça se ressemble un peu au niveau de la rythmique. Mais tu es un artiste talentueux.
pourquoi ne pas mettre ce talent-là au devant des choses que de mettre les clashs au devant des choses? Tu es tout le temps envoyé, là, envoyé des pics à des Bordeaux ou bien à certains de tes collègues. Tu n'es pas le roi du showbiz, je suis désolé. Tu t'es autoproclamé. Tu t'es assis chez toi un matin, tu t'es levé, tu dis bon, tu es le boss de la musique ivoirienne. On n'a rien dit. On dit bon, le gars, on le connaît. Faut pas qu'il aille parler, il va prendre ça en clash, mais ça va devenir dissous. Donc on t'a laissé dans ton mouvement. Même si on te laisse dans ton mouvement, apprends à te faire respecter. Et évite vraiment de vouloir toujours rabouer tes collègues. Surtout de Bordeaux, il t'a fait quoi? La seule fois qu'il t'a répondu, il t'a appelé écureuil Babu. Et jusque-là, il y a des gens qui t'appellent toujours écureuil Babu. Parce que les gars, c'est pas le même level. Tu peux avoir les moyens, l'argent nécessaire, tu as ta marque de vêtements que j'apprécie bien, le logo est joli, en tout cas ce que je vois sur toi c'est joli, mais tu n'es pas de Bordeaux, tu n'es pas Didier Arafat. Tu n'es pas Ariel Chiné, tu n'es pas Safarel. Ceux-là, ils ont bataillé, ils ont lutté pour se faire un nom. Mais toi, si on parle de toi, Tiensko le Sultan, mais c'est à cause des clashs. Honnêtement, c'est pas à cause de ta musique. Je ne dis pas que ta musique elle est nulle, c'est parce que je peux même pas dire ça, parce que je lui ai même dit que tu chantes bien, tu es talentueux. Mais c'est à cause des clashs qu'on parle de toi. Si tu es invité à Trace, c'est à cause de tes clashs. Et les clashs, ça fait vendre. C'est pourquoi tu vois qu'on t'invite sur les plateaux télé ou bien sur des chaînes de radio. C'est pas pour ta musique. Parce que tu n'as encore rien fait, tu n'as encore rien prouvé. Le plus important, ce n'est pas de sortir beaucoup de morceaux, mais c'est de sortir un morceau de qualité qui va dépasser les frontières ivoiriennes. Donc, c'est sollicitant. Résistance et amène les gens à te respecter. Parce que tout ce que tu fais là, ça ne va pas porter ses fruits, honnêtement. Et c'est parce que je t'estime beaucoup que je te dis ça. Si tu veux, viens me dire encore d'envoyer mes conseils pour mes enfants ou bien pour mes parents, ce n'est pas bien grave. Mais au moins, si tu as entendu ce que j'ai à te dire, c'était mon petit droit de réponse par rapport à tes dernières réactions. Ciao, ciao. Et puis, deuxième partie avec le spot de DJ Mix. Bonne écoute, ne vous moquez pas de moi. Hein. Hello famille, deuxième partie de la vidéo, c'est chanter pour mes abonnés, j'ai envie de chanter, vous savez qu'Erito sait chanter un peu, donc j'ai envie de chanter pour mes abonnés, voilà. Et je chante sur un morceau que peut-être certains n'ont pas écouté, les nouveaux fans du Coupé Décalé là, voilà. Votre artiste que vous appelez Mix Premier aujourd'hui, quand il s'appelait DJ Mix, il a fait sortir un spot qui a vraiment cartonné, je crois que c'était un spot destiné à des bienfaiteurs de la commune d'Adjamé. Le spot c'est Merci Adjamé, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est sur ce spot là que je vais chanter avec vous mes abonnés. Voilà, et pour ma part, hein, à mon humble avis, je pense que c'est pour moi le meilleur spot qu'a fait DJ Mix. Je dis bien le meilleur spot. Après ça, il a fait d'autres spots, mais moi c'est ce spot là que j'apprécie le plus. La mélodie, le chanter était parfait. Vraiment parfait, parfait, de chez parfait. Donc on va démarrer tout à l'heure. Ne vous moquez pas des rétors, hein. Voilà, il me débrouille. De baby.com. DJ Mix le champion tout terrain. Talent du way, dit merci oh bon Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. À travers lui, nous avons les personnes qui sont à nos apports, qui nous appuient et qui nous soutiennent tout le temps, mon Dieu. Raison pour laquelle je veux les dire merci. Je veux les dire merci. Sous les Pradello, c'est toi les étendards de la marque Prada. Yaku, baissé en haut. Gleno, bourgeois. Carmelo, c'est toi l'amiral. Sergio, baissé en haut. Président, Berlusconi. Berlusconi. La haute bourgeoisie française, c'est vous. Yesai. Vanille, c'est le silencieux, Isaac, que c'est non. L'argentier, c'est pas Tito, la légende, yeah.
Emirato, Emirato de Ronso. Charlie, Charlie, BCAO. La métropole, give vous nous. Give vous nous. Yes, I'm a monta. I'm a zamana, I'm a monta. Saoudé, I'm a monta. Monsieur le maire. Yes, I got some, I got some, la réussite, ouais. Alexis, la réussite, Escaé et les barons, Albeo, Hervé, le Pacha et Davido, David et l'énergie, oh. Ouale, les brr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